À la brasserie de la Cigale, dans le 18e arrondissement, auprès du Camerounais Freddy Jumbo et du noir américain Harry Cooper. La Cigale devient alors le rendez-vous des amateurs de swing et de tous les musiciens de Paris, entiers ou non, qui viennent y faire le neuf. Un pianiste professeur de jazz nommé Charles Henry prend le groupe en main et négocie un contrat d'enregistrement avec la firme Polydor. Le jazz devient ainsi une forme tacite de résistance culturelle aux Allemands. Suivant l'exemple de la Cigale, l'Élysée Montmartre, music hall situé sur le même boulevard, présentera aussi en 1944, sous la direction du chef d'orchestre belge Alverdès, un orchestre de musiciens antillais où chantera la jeune Maud de Rivet. Ce mouvement musical important et méconnu bénéficia pendant toute la durée de la guerre du rôle déterminant de Charles Delaunay, l'un des fondateurs du Rock Club de France en 1933. Delaunay, auteur, critique musical, producteur et agent artistique, résistant au sein du réseau Prosper Physician du SOE britannique, organisera à Paris avec le Rock Club en 1942 et 1943 plusieurs concerts de jazz. Y participent alors tous les jazzmen français de l'époque, comme Hubert Rostin, Alix Combel et bien d'autres. Tous les musiciens antillais en firent partie, ou presque. Le premier concert de jazz du Rock Club Colonial eut lieu à la salle Pleyel, le 19 décembre 1943, avec un grand orchestre dirigé par Félix Valverde et une moyenne formation dirigée par Mavrozzi. Trois semaines après, les musiciens se retrouvèrent dans les studios Polydor pour graver quatre faces de 78 tours qui témoignent du haut degré de professionnalisme des musiciens antillais de cette époque. Le Hot Club participa aussi durant l'occupation à plusieurs concerts de solidarité en province pour les prisonniers de guerre.
que les francs-tireurs et partisans français lancent la bataille pour Paris, le 10 août 1944, un avis de grève générale circule parmi les cheminots. Dès lors, tout se déclenche. Le comité d'action militaire, le Conseil national de la résistance, le comité parisien de la libération et le commandement de la région de Paris des forces françaises de l'intérieur échangent tous azimuts pour coordonner l'arrivée des armées libératrices sur la capitale. Dimanche 13 août, 3000 agents de la compagnie du Métropolitain font grève, rejoints par les gendarmes. Le 15 août, jour du débarquement de Provence, les trois mouvements de résistance de la préfecture de police appellent à leur tour à la grève. Mercredi 16 août, 35 jeunes résistants sont massacrés au bois de Boulogne. Attirés dans un guet-apens, ils sont abattus par des officiers SS à proximité de la Grande Cascade. Vendredi 18 août, au soir, l'appel à la mobilisation générale des Parisiens par le colonel Roll Tanguy est apposé sur les murs de la ville. Une affiche du comité parisien de la libération donne ses consignes pour accueillir l'entrée des armées alliées dans les communes de la banlieue et dans les quartiers de Paris, pavoisées, pavoisées aux couleurs alliées. Partout à côté du drapeau français flotteront les drapeaux anglais, américains et soviétiques. L'Union des femmes françaises se mobilise également. Par tous les moyens, dans Paris encore occupé, aidons ces braves qui combattent pour la liberté. Portons-leur du pain, portons-leur à boire, recueillons et soignons les blessés. Le samedi 19 août, les policiers de la préfecture de police refusent d'obéir aux ordres du gouvernement allemand de reprendre leur service. Ils occupent le bâtiment dans la nuit. Le préfet Bussière est arrêté et remplacé par Charles Luizet. Alors que l'édifice est sous l'assaut d'attaques allemandes, les insurgés tiennent la place. Au cours de la journée, Alexandre Parodi, ministre du général de Gaulle, met toutes les forces de la résistance aux ordres du colonel Roll Tanguy, qui va coordonner l'insurrection depuis son PC de la place d'Enfer Rochereau. L'hôtel de ville est à son tour occupé le 20 août. Léo Aron, le capitaine Roger Stéphane et une vingtaine de FFI au nom du gouvernement provisoire accueillent dans l'après-midi le préfet de la Seine, Marcel Fouret. La défense est assurée malgré le peu de moyens. Le comité parisien de la libération s'y installera dès le 23 août. Mardi 22 août, Paris se couvre de barricades, tandis que l'ordre est donné au général Leclerc et à la 2e DB de foncer sur Paris, avec l'aide de la 4e division américaine. La réplique est immédiate. Von Schöpditz est sommé par Hitler d'opérer le maximum de destruction. Le 23 au matin, le Grand Palais est incendié. Le jeudi 24 août, dans l'après-midi, un Piper Cub lâche au-dessus du secteur de la préfecture de police et de l'hôtel de ville un billet qui encourage la population parisienne. « Tenez bon, nous arrivons !» de la part du général Leclerc, le colonel Crépin. La 2e DB est à la Croix de Berny. Le 24 au soir, l'entrée dans Paris par la porte d'Italie de la 9e colonne sous les ordres du capitaine Drum est le signe décisif de la libération de Paris. Ces soldats se prénomment Raphaël, Antonio, Luis, Manuel, Carreño, José, Miguel. Les républicains espagnols de la Nueve sont ainsi parmi les premiers à fouler le sol d'un Paris en pleine résurrection. Leur arrivée sur le parvis de l'hôtel de ville au coucher du soleil est triomphale. Les clochers des églises résonnent dans tout Paris à 21h30. Vendredi 25 août, il est 7h45 lorsque le général Leclerc et ses troupes entrent dans Paris par la porte d'Orléans. Son PC est installé garde Montparnasse. En début d'après-midi, Schöpditz est fait prisonnier et conduit à la préfecture de police où il signe la convention de reddition. Emmené au PC de Leclerc à Montparnasse, le général allemand signe une vingtaine de cessez-le-feu pour les points d'appui allemands, tandis que le colonel Roll Tanguy appose son nom sur un des exemplaires de la convention.
Alors que le général de Gaulle arrive à son tour à Montparnasse, les Allemands se rendent au fur et à mesure que tombe leur position. Il est 19h lorsque le général de Gaulle arrive à l'hôtel de ville. Paris outragé, Paris martyrisé, est devenu Paris libéré. La République est bien de retour sur ses terres. Citoyens, j'avais dit, le jour où la République rentrera, je rentrerai. Me voici. Deux grandes choses m'appellent. La première, la République. La seconde, le danger. Je viens ici faire mon devoir. Quel est mon devoir? C'est le vôtre. C'est celui de tous. Défendre Paris. Garder Paris. Sauver Paris, c'est plus que sauver la France. C'est sauver le monde. Paris est le centre même de l'humanité. Paris est la ville sacrée. Qui attaque Paris, attaque en masse le genre humain. Paris est la capitale de la civilisation, qui n'est ni un royaume, ni un empire,
et qui est le genre humain tout entier, dans son passé et dans son avenir. Et savez-vous pourquoi Paris est la ville de la civilisation? Parce que Paris est la ville de la Révolution. Qu'une telle ville, qu'un tel chef-lieu, qu'un tel foyer de lumière, qu'un tel centre des esprits, des cœurs et des âmes, qu'un tel cerveau de la pensée universelle puisse être violé, brisé, pris d'assaut. Par qui? Par une invasion sauvage? Cela ne se peut. Cela ne sera pas. Jamais. 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 Citoyens, Paris triomphera parce qu'il représente l'idée humaine et parce qu'il représente l'instinct populaire. L'instinct du peuple est toujours d'accord avec l'idéal de la civilisation. Paris triomphera, mais à une condition. C'est que vous, moi, nous tous qui sommes ici, nous ne serons qu'une seule âme. C'est que nous ne serons qu'un seul soldat et un seul citoyen. Un seul citoyen pour aimer Paris. Un seul soldat pour le défendre. À cette condition, d'une part la République une, d'autre part le peuple unanime, Paris triomphera. Quant à moi, je vous remercie de vos acclamations, mais je les rapporte toutes à cette grande angoisse qui remue toutes les entrailles, la patrie en danger. Je ne vous demande qu'une chose, l'union. Par l'union, vous vaincrez. Étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments, soyez unis. Vous serez invincibles. Serrons-nous tous autour de la République, en face de l'invasion, et soyons frères. Nous vaincrons. C'est par la fraternité qu'on sauve la liberté.
croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira par deux fois. Et l'un chancelle, l'autre tombe. Qui mourra ? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison. Lequel a le plus triste grabat ? Lequel, plus que l'autre, gèle ? Lequel préfère les rats ? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle. Nos sanglots font un seul plat. Et quand bien l'aube cruelle passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, il coule, il se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. L'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Oh,
Bon. Ça va, on n'est pas trop bien. Oui. Deuxième. Je le vois pas. Pourquoi? C'est pour lui dire que je viens de la part de Philippe de Listrange. Il est au deuxième rang au centre. D'accord. Vous voyez, il y a une dame brune qui est au centre du deuxième rang. C'est le cheveux ras rasé, blanc, côté de la dame brune qui est la pointe au mer des mains. Merci. Merci beaucoup. Comment ? C'était une très belle cérémonie. Merci. C'était une très belle cérémonie. Thank you.
La cérémonie commémorant le 77e anniversaire de la libération de Paris est maintenant terminée. Nous vous invitons dès à présent à emprunter le même itinéraire qu'à votre arrivée afin de quitter la place de l'Hôtel de Ville. Nous vous remercions pour votre présence et vous souhaitons une bonne soirée. Décoration. Bonjour. C'est un honneur, monsieur. Vous avez été sage ? À peu près, parce que ça rappelle des moments d'histoire et ça démarre. Alors, quel honneur vous portez, des étoiles en général ? Ah, ben, parce que c'est pour vous. C'est pour vous que je les porte. Pour moi ? Ben oui, pour les pensionnaires. J'ai pas besoin de ça. Mais je suis pauvre sur mon drapeau. Mais je sais bien. Les trois blessures mortelles. Je partais au front-en. Pour remplacer tous ceux qui veulent faire des lumières. Maman, je vais mourir. Ça, j'attendais ton arrêt. Il y en a deux derrière, on va y aller. Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Je vais vous présenter la maire, madame la maire de Paris, gouvernement. Madame la maire de Paris. J'ai jamais eu peur de mourir. Les rafales de balles me tournaient autour et elles ne me tenaient pas parce que je crois dans Dieu et Dieu me protégeait. Il m'a toujours protégé. C'est pour ça que je suis pas mal. Allez, on y va. Mais je pense aussi que vous enverrez, nous faisons chaque année un compte rendu du voyage de la Roya, je vous en ferai parvenir un exemplaire du matin. Il faudra me donner. Non, mais comme je l'ai appris la photo. Très bien. Merci beaucoup. J'ai plus de cartes que je les ai oubliées dans la. Vous avez. Voilà, très bien. Je prends votre chemin. Merci beaucoup, parce que je pense que ça. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé, mais Paris libéré par lui-même,
libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Enchaîne.